tous, voici une nouvelle vidéo pour vous pour parler du Mister FPGA. J'ai reçu récemment une commande de ultimate.com pour un câble VGA Peritel pour relier le Mister FPGA vers une télé CRT au lieu de la HDMI. Donc voici comment se présente le câble. Donc il y a une partie VGA, une partie prise jack séparée qui permet d'avoir le son indépendamment du VGA. Et voici le câble que j'ai reçu, qui est de très bonne qualité, et c'est une livraison assez rapide malgré les frais de port qui sont assez importants. Donc je vais vous montrer le rendu que ça donne sur une télé CRT classique. À tout de suite. Donc là je viens d'allumer le Mister FPGA avec la prise Peritel vers la télévision CRT. Donc là je suis dans le menu du Mister FPGA et on va essayer le Corneo Geo pour vous montrer le rendu à l'image sur Fatal Fury 3. Et vous allez voir que c'est très très net. Donc sur l'image du téléphone qui filme la vidéo, c'est un petit peu plus terne, mais en réalité les couleurs sont très vives et très très précises. Je vous montre un autre jeu qui aussi a des belles couleurs sur Neo Geo, Last Resort. Comme on peut le voir, l'image est très très fine. J'ai peut-être encore quelques réglages à faire sur la télévision, mais globalement, le Mister FPGA envoie une image très nette, plus propre que les consoles d'origine. Ça se voit à l'œil nu, et c'est ça qui est la grande force du Mister FPGA. Donc moi, je vous recommande chaudement d'acheter ce câble si vous avez des télé CRT et que vous recherchez une image proche de celle que vous aviez vous étiez enfant ou que vous n'aimez pas trop les images sur l'écran HDMI. Là vous serez aux anges. Ça plus le Mister FPGA, honnêtement il n'y a plus grand chose à rechercher. Et vous pouvez, je pense, même ranger vos consoles d'origine au placard, parce que là on a atteint un niveau assez élevé de qualité, pas d'émulation mais de récréation de CPU, là c'est de corps plutôt pour les jeux, c'est impressionnant. Voilà, donc une petite vidéo assez courte comme d'habitude. Je vous remercie, et puis si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et si vous voulez que je vous teste un jeu en particulier sur le Mister FPGA pour voir les rendus, mettez-le dans les commentaires. Je vous remercie, au revoir.